bienvenue sur Télé Replay. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dans l'épisode diffusé ce soir, Jessica a rejoint Pascal à Montpellier afin de découvrir son univers. Jessica et Pascal ont organisé un dîner avec Barbara et Jean-Marc, leurs témoins respectifs qui se sont recontactés après le mariage. L'ironie du sort fait que Barbara et Jean-Marc, simples témoins, vivent ensemble une belle histoire d'amour, alors que Pascal et Jessica, qui se sont mariés à Gibraltar, peinent à éprouver plus que de l'amitié. Jessica, voyant que Barbara et Jean-Marc s'entendent à merveille, comprend que ça ne sera jamais comme ça entre elle et Pascal. Elle se confie « J'aurais aimé avoir ce coup de cœur de mon côté. » Mais malheureusement, malgré les efforts de Pascal, Jessica n'éprouve aucun sentiment. Suite à ce dîner, Jessica décide de quitter Montpellier pour rentrer chez elle au Luxembourg. Pascal et Jessica ont alors décidé de ne plus se parler pendant un certain temps. Cela pour voir si un manque allait se créer. Mais malheureusement, Pascal n'a pas vraiment manqué à Jessica. La psychologue Estelle Dossin a décidé donc d'intervenir. Elle les a donc réunis et leur a expliqué que leur problème vient d'une seule chose. En effet, entre Pascal et Jessica, il n'y a aucune attirance. Force est de constater pour Estelle qu'il n'y a aucun avenir pour ce couple. Et cela, malgré une relation qu'elle qualifie de magnifique. En effet, Pascal et Jessica ne sont que des amis. Elle tente une dernière fois de leur proposer son aide pour transformer leur relation amicale en amour. Mais Pascal et Jessica refusent. Ainsi, ils décident de divorcer. Voilà le premier couple qui a divorcé dans l'émission. La séance encore échouée. Et selon vous, que manquait-il à Pascal et Jessica pour qu'ils forment un couple d'amour ? Laissez-nous vos commentaires.